Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, on va faire, comme d'habitude, un petit JDR. Et je ne serai pas tout seul, je suis avec Alexis. Bonsoir. Et avec le retour de Anthony. Moi-même, salut. Ouais. La fête. Ouais. Alors, ce soir, on va faire un scénario sur, dans un endroit un peu différent par rapport à d'habitude. C'est un scénario sur le thème de l'archéologie en Égypte. Donc, on va peut-être commencer par la présentation des personnages. Qui veut commencer ? Pas moi. Très bien. Bien, je commence. Je suis donc David Julier, j'ai 48 ans. Et je suis un multimillionnaire qui est également le chef d'expédition. C'est moi qui finance tout ça au final. À part ça, pas grand-chose de plus. Mis à part que ma place au sein de l'expédition est encore à prouver, visiblement. Tout le monde n'est pas trop sûr de ma place. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as 48 ans. T'es assez âgé, mais le truc c'est qu'en fait il est nouveau un petit peu dans le domaine, c'est-à-dire qu'il a jamais vraiment fait ça, il a toujours été un peu passionné par ça, vite fait, mais en fin de vie, genre 50 ans presque, donc il est multimillionnaire, mais faudrait faire quand même quelque chose pour qu'on se rappelle de lui un petit peu, et il a toujours été un petit peu aventurier et tout ça, donc voilà, il est là depuis plusieurs années, mais il a jamais vraiment. Les expéditions n'ont pas encore vraiment donné des choses. Enfin, ça a mené à des choses à chaque fois, à des découvertes. Mais pas de grosses découvertes majeures. À titre informatif, on a quelle année là ? On est en 1976. Okay. Donc voilà. Et maintenant, Alexis. Oui, alors moi je jouerai Robert Grant, archéologue. C'est ça. Et je fais de mon mieux pour faire des bonnes découvertes parce que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, je fais de mon mieux pour. Enfin, c'est pas que je fais de mon mieux, c'est que je fais littéralement que ça de ma vie en fait. Je suis littéralement sur le terrain à la recherche de découvertes potentielles. Exactement. Robert Grant, 53 ans. Ça commence à se faire vieux. Hein. Surtout pour aller dans ce genre de. Parce que vous êtes en Égypte. Il fait chaud, les conditions sont pas si faciles. Enfin, à l'époque, j'ai l'habitude d'y aller ou Oui, vous avez tous les deux pris l'habitude d'y aller. Bon, okay. Toi plus, parce que ça fait des années que tu fais ça, tu es spécialisé là-dedans. Mais je pense que s'il y avait une pyramide à trouver, je l'aurais déjà trouvée. Hein. La chaleur, la nourriture, c'est pas facile. Hein. Mmh. Commencer à avoir un petit peu de l'âge quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous étiez sur un site de fouilles. En archéologie, enfin, vous étiez sur un site de fouilles en Égypte, tout simplement, et ça donnait pas grand chose. Enfin, vous êtes en train de fouiller, tout simplement, actuellement. Et il y a, vous recevez un coup de téléphone, tout simplement, pour vous dire que Marianne Kruser, une jeune archéologue, qui est actuellement en train de faire fureur dans le milieu. Parce qu'elle est, elle est pas du tout en Égypte, elle est plus dans l'époque romaine et tout ça, dans ce genre de découverte-là. Et en fait, elle ouvre sa galerie privée. Ah oui, donc elle a dû découvrir assez de choses pour ouvrir une galerie déjà. C'est ça, à son âge, elle a moins de 30 ans. C'est déjà énorme. C'est impressionnant. Et, c'est honteux. Elle a découvert beaucoup de choses, elle est très douée là-dedans, elle est vraiment... Voilà. Et en fait, elle invite des gens... qui sont connus, mais pas beaucoup, une cinquantaine, pour l'ouverture de sa galerie. Donc en fait, vous avez quitté votre expédition pour tout simplement assister à l'ouverture de cette galerie qui est assez grande, assez impressionnante, mais historique. Parce que en plus, c'est une femme. Et elle est située où, cette galerie, du coup ? À Paris. Ah ouais, ok. À Paris, tout simplement. C'est le Louvre 2. Mais c'est une galerie privée. C'est-à-dire que très peu de personnes y ont vraiment accès. Mmh. Oui, c'est entrée limitée à chaque fois par c'est invitation. Ça. C'est exactement ça. Donc, vous vous y rendez. Habillé correctement. Pour Robert, c'est assez âgé, mais bon, tu gagnes pas ta vie. Enfin, tu gagnes bien ta vie, mais tu gagnes pas non plus. T'es pas. C'est correct, quoi. Voilà, tu gagnes mieux que la normale, mais t'es pas millionnaire comme David. S'il est gentil, il pourrait peut-être prêter les 2-3 sous pour les vêtements. Vous n'avez pas déjà quelques beaux vêtements à vous mettre ?
Non, mais de toute façon... Je veux bien avoir un héritage de mon papy. Mais de toute façon, en fait, tu t'habilles bien, mais tu restes quand même habillé en mode un peu... explorateur, mais... Enfin, comment dire... Si, tu es quand même bien habillé, mais un peu à l'ancienne quand même. Parce que tu commences à être âgé. Un peu comme un professeur d'université, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Tu sais, quand ils sont bien habillés, ils sont quand même un peu vieux. Mais vous voyez Indiana Jones, je fais bien pareil. C'est ça, Indiana mais, Jones. Quand il est... Quand il fait... quand il est professeur. Ouais, quand il est professeur. Hein. Exactement. J'ai pas de chapeau, malheureusement. C'est style les vestes avec les trucs de cuir cousus au niveau des coudes et tout, là. C'est un peu ça. C'est un peu des gilets, on va dire. Tu sais, c'est des gilets avec des deux papillons un peu colorés, vite fait. Voilà, c'est un peu... Enfin, j'allais dire... c'est pas très, très beau, hein, mais c'est un peu classieux, mais pour lui, c'est très beau. C'est très, très beau. Voilà. Moi, ça fait chic. J'aime mon petit nœud papillon avec des poils, là. Il est magnifique. Et David, lui, est habillé... en cliché explorateur, c'est-à-dire qu'il a le casque d'exploration, la tenue d'explorateur, vraiment, c'est un... Ah, le mec, c'est un cosplayer, en fait. Non, mais on aime son métier, on l'aime pas, quoi. Voilà. Non, mais... Il y a les bottes d'explorateur et tout, enfin, vraiment, le cliché de tout ça. Du coup, vous arrivez, il y a une queue, vous faites la queue, tout simplement, des gens reconnus, des amis, que bon, vous, très vous parlez. Non, pas longue, c'est vraiment très rapide, c'est juste que les gens parlent plus que font, qu'ils ne font la queue. Mais vous rentrez très vite, puisque vous avez pris l'habitude du climat en Égypte. Et on a froid. Exactement, parce qu'on est à Paris, et il fait pas froid, mais vu pour vous, vous avez quand même froid. Et les doudounes n'existent pas encore. Et surtout qu'une doudoune pour être bien habillée... Ouais, ouais. Surtout qu'il allait que David a les manches retroussées tout le temps parce qu'il pour lui c'est le cliché explorateur. On se connaît ou pas en fait? Ah oui, vous vous connaissez très bien. Vous êtes de la même expédition. Vous êtes dans la même expédition, sauf que vous venez, vous stoppez vite fait votre expédition. Vous, enfin les ouvriers continuent à travailler. Il y a des gens qui sont là-bas qui travaillent. C'est toi qui finances les expéditions en fait. Tout à fait. C'est lui qui finance carrément l'expédition. Mais du coup, vous êtes aussi avec Pierre Lamarre. Pierre Lamarre, qui a 29 ans. Et en fait, c'est le photographe et reporter de l'expédition pour vous. C'est-à-dire que c'est lui qui fait toutes les avancées, qui prend des notes spécifiques, qui reporte pour les recherches, même pour la presse et tout ça, s'il y a des découvertes, ou même faire un suivi. C'est lui qui fait les photos. Pour faire une biographie sur nous après. Voilà. Et du coup, un jeune que, en fait, c'est Robert, Monsieur Grant, qui juste est tombé dessus lors d'une ouverture de galerie aussi à Paris, était là. Il faisait des photos et apparemment il a déjà fait quelques expéditions. En plus, il fait de très belles photos. Et en fait, oui, tu l'as repéré et vous avez fait connaissance et tu l'as pris pour cette expédition et voilà. Ok. Il est très sympathique. Donc ouais, un petit jeune assez dynamique et tout ça. Vraiment, il est quand même bien... Il a l'air bien motivé par ça. C'est son truc. Vous voyez que c'est un peu vous quand vous étiez jeune. La bonne époque. Je m'en rappelle pas. Ça remonte trop. Du coup, vous arriverez à la galerie. Garde du corps. Un gros balèze devant. Ah putain, je serais con, on avait un garde du corps. Je te dis non, mais j'ai pas l'argent. Non, vous avez pas de garde du corps. En tout cas, pas vraiment pour l'instant. Vous l'expédition. Quand dans les grosses expéditions, il y a des gens qui sont là pour protéger les gens. Mais, oui, normal. Voilà quoi. Mais pour l'instant, vous en avez pas vraiment. Du coup, vous arrivez et il y a tout simplement Madame Cruiser, Marianne, qui est à l'entrée et qui en fait, c'est pour ça qu'il y a une petite queue. C'est qu'en fait, quand ils rentrent, Marianne les accueille. Vu que c'est des gens assez reconnus, c'est vraiment une jeune très. Elle est très douée, très forte en tout, très intelligente, et elle est très sympathique, elle a beaucoup de sociable. Elle sait parler, vous comprenez, vous la connaissez déjà, hein, enfin de nom, mais elle fait vraiment, ça se voit que c'est quelqu'un qui réussit, quoi. Elle réussit tout ce qu'elle fait, etc. Elle est parfaite. Je vais déjà ne pas l'aimer. Mais du coup, il n'y a que des grands noms. Genre, est-ce qu'on a vraiment notre place, nous, ici? Alors, oui, parce que... des gens, en fait, Monsieur Grant, qui est, enfin, lui, il a jamais forcément trop rien découvert. Il a une,
une réputation un peu bizarre pour toi. Tu sais pas trop pourquoi. En fait, tu l'as pris parce qu'il était moins cher que les autres. C'est pas bizarre, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il est juste assez âgé et il a beaucoup d'expérience, en fait, juste. Ok. Donc voilà. Et toi, tu es le nouvel investisseur du moment. Enfin, pas du moment, mais tu viens d'arriver depuis quelques années. On t'invite parce que t'es nouveau et t'as de l'argent. Donc c'est important au cas où tu peux financer d'autres expéditions par respect, quoi, on va dire. Ouais, je rajoute du prestige à l'événement mondain, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, elle vous accueille. Elle dit « Ah, messieurs !» Alors, monsieur, elle vient directement vers toi, monsieur Grant, là. Elle te serre la main. Oui, moi aussi, enchanté, très cher. Ah, quel plaisir de rencontrer des anciens du métier. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous avez fini? Vous vous écrivez un livre, peut-être, sur votre biographie? Ah non, non, on revient exprès d'une expédition, on est en cours d'expédition. Encore? Oui, oui. À votre âge? C'est ma passion, après tout. Ah, faut être déterminé, hein, je comprends. J'imagine bien, à votre âge, genre, je m'imagine toujours faire ça aussi. Mais bon, on va pas se mentir, c'est plus difficile qu'avant, mais on fait ce qu'on peut. Non, mais en même temps, vous avez pas choisi le bon domaine, hein. En Égypte, bon, c'est bien, mais regardez-moi. La Rome antique, c'est quand même beaucoup plus gratifiant, enfin, on a beaucoup plus de découvertes. Ah oui, mais l'Égypte est quelque chose qui me passionne, hein. Je ne peux pas abandonner ce pays. Non, mais vous avez jamais imaginé une petite reconversion, peut-être, parce que c'est quand même pas mal. Je suis pas contre, pourquoi pas. Mais l'Égypte restera mon pays de prédilection. Non, c'est parfait. J'espère qu'on aura d'autres conversations parce que vous devez avoir beaucoup de choses à me dire sur vos expéditions et tout ça. Je suis en pleine. J'apprends tous les jours. J'aimerais bien recevoir encore plus de sagesse, d'ancienneté, de gens qui ont fini, quoi. Enfin, voilà, quoi. Hein, fini, comment ça? Bah vous êtes à la fin, enfin, regardez votre âge, faut pas se leurrer. Oh, vous savez. Et elle dit, oh, bon, elle te voit, en fait, David. Mm-hmm. Et tu viens vers toi, oh monsieur David. Oui, oui. Vous êtes vraiment très, 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 très bien aujourd'hui, monsieur Jumier. Merci, merci. J'ai soigné ma tenue pour cet événement. J'allais quand même pas me montrer en faisant des honneurs à... Elle te regarde, elle fait, ah oui, oui, vous, en effet, c'est... Comprenez, j'ai une réputation à entretenir. Et effectivement, oui, un vrai explorateur, comme vous dites, c'est avant tout la passion. Ah, ça se voit que vous êtes tout nouveau dans le métier. J'étais comme vous il y a quelques années, mais en fait, on s'est rendu compte que très rapidement, on pouvait... Je me suis... c'était plus cool, parce que quand on commence à devenir un peu reconnu et tout ça, on n'a même plus besoin d'essayer de se faire remarquer, on nous voit directement. Oui, oui, certainement, j'en doute pas. Donc voilà. Grand bien vous en fasse. Et du coup, elle vous regarde, elle dit... Et quand elle a fini la conversation, elle passe directement à quelqu'un d'autre. Limite, elle te pousse pour te faire avancer, tu vois. Et elle va parler que... Oh, monsieur le ministre. Attends, voilà, tu vois, elle va voir des gens et tout. Elle connaît tout le monde. Ça va, toi, Robert? Elle t'a pas planté trop de couteaux sur les côtés? Ah, j'ai mal. Ouais, moi, j'ai le dos en sang, là, encore. Et tu vois, elle est en train de rigoler. Vous partez un petit peu et vous l'entendez un peu dire... comme il est habillé. Moi, je tire la tronche en partant, par contre. Et tu vois, les gens rigolent un petit peu au loin, en voyant partir. Soyez déterminés, n'ayez pas honte de comment vous êtes habillés, vous êtes très bien. Merci, je m'en souviendrai, Robert. Vous aussi, vous êtes tout en beauté. Merci beaucoup. Et du coup, vous voyez, il y a Pierre Lamarre qui est juste avec vous, le journaliste, hein, qui fait des photos. En fait, il a été pris pour... vous avez réussi à le faire rentrer pour prendre des photos un petit peu de l'événement et tout ça. Ah, Pierre! Du coup, il est arrivé... vous étiez à l'hôtel, tout simplement. Lui, il est venu un petit peu avant pour préparer des photos, des gens et tout ça, et voilà. Ça va, ça n'a pas été trop dur à trouver? Et dit, oh, putain, c'est une tarée, l'autre. Elle est arrivée, elle croyait que j'étais un paparazzi, elle n'a pas voulu me faire rentrer, j'ai dû montrer ma carte, et quand je dis que c'était pour vous, elle a fait, c'est limite, elle s'est foutue de moi devant tout le monde. Ah ouais, bon. Ouais, non, mais on vient de la rencontrer aussi. C'est un personnage, hein. C'est un personnage. Faut pas en tenir compte. Tenez bon. Ouais, c'est... De toute façon, on est là pour l'exposition, pas pour elle spécialement.
Ah, vous connaissez beaucoup de gens ici, vous, parce que j'avoue que bon, moi j'ai déjà travaillé pour quelques personnes ici. Mais il y a plein de gens, je n'ai jamais vu. C'est des gens connus, peut-être. Je pense pas avoir reconnu quelqu'un personnellement. En même temps, j'ai pas vu tout le monde, mais. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Mais de peu de gens qu'il y a, en effet, c'est des petits. En fait, c'est des gens qui sont pas trop connus. Mais très rapidement, quand tout le monde arrive, bon, sauf David qui connaît pas grand monde, puisqu'il est pas encore. Il connaît pas vraiment. Toi, tu reconnais en tout cas tous les archéologues. Il n'y a que des noms, mais genre, c'est que des mecs balèzes. C'est vraiment. Ils se parlent tous entre eux, ils viennent pas te voir. Et tu le vois, David, qui viennent pas voir Robert. Ok. Mais en mode un peu mouton noir, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et là, la soirée commence. Donc, ouverture de galerie, elle montre des découvertes magnifiques. Vous y connaissez pas forcément en romantique plus que ça, mais en expliquant, en fait, c'est des grosses, grosses découvertes qui ont marqué. C'est vraiment. Elle a découvert des trucs énormes. Gros applaudissements, du champagne de partout, ça pue la richesse. Et David, tu as des gens qui viennent, qui t'appellent au loin. Oh, mais regardez, c'est David Julier. Venez, venez, monsieur, venez. Et en fait, il y a plein de jeunes femmes qui sont des archéologues. Ils disent, oh, monsieur, vous êtes le nouvel investisseur. Et il dit, c'est vous, le grand aventurier qui racontait... Je vais me redresser en bombant un peu le torse. Et oui, c'est moi, tout à fait. Ah, c'est... monsieur, il y a des femmes qui viennent à côté. Oh, pitié, monsieur, racontez-nous une de vos histoires. La dernière fois, vous nous avez dit à la presse que vous aviez abattu un crocodile à main nue. Et elles viennent et te touchent un peu le torse et tout. Ah non, mais laissez-le respirer. Est-ce que j'ai vraiment dit ça à la presse? Oui, t'as vraiment dit ça. Oui, non, mais vous savez, ça, c'est une histoire banale. Ça nous arrive presque tous les jours quand on fait des expéditions en Égypte. Au final, vous savez, c'est une dure lutte pour sa survie en Égypte. Au final, faut être prêt à n'importe quelle sorte de danger. Ça peut venir de partout. Et il y a une femme qui vient à côté qui dit oh, millionnaire. Et en plus, il est fort et tout ça. Là, mais que de demander de plus. Et là, il y a Jack Sullivan. Un multimillionnaire qui a vraiment très reconnu, une des stars du milieu, qui arrive à côté et qui dit « Ah, bonjour, David. » Et tu le connais. Tu sais que lui, il se fout un peu de toi, tu vois. Et alors, vous avez fait quoi? Vous avez tué deux crocodiles avec un cure-dent? Non, pas un cure-dent quand même, faut pas exagérer. Mais vous savez qu'à main nue, on peut vaincre un crocodile, il faut simplement savoir comment bien s'y prendre. Ah oui. Vous savez, bon, il regarde les filles. Ah, quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de se battre. On demande aux gens de le faire pour nous. Et les filles directement font « Ah !» Et elles viennent directement à côté de lui. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Pas besoin d'être brut, faut être intelligent des fois. Pas forcément, parce que si on laisse les autres faire tout le travail, au final, on a quelles histoires à raconter? Vous me dites, l'argent ne permet pas de raconter ces histoires. Eh bien, regardez, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai découvert ça, ça, ça. Et il te met une liste énorme de découvertes qu'il a. Ouais, mais est-ce que vous avez déjà battu un crocodile? Ah, non, mais j'en ai découvert en or des crocodiles dans les tombes. Donc, Ouais, ben, tant mieux. Voilà. J'ai affaire, je vous laisse. Et je tourne les talons, je pars en tirant la tronche encore. Au revoir. Ouais, Monsieur ouais, Julien. Bonne soirée. Et tu vois, les filles, elles rigolent un peu comme des comment ça s'appelle des catins. Des catins, ouais, non, pas des catins, un peu rire. Tu vois, ouais, un peu forcé et tout pour faire. Genre, on rigole à la blague de Monsieur Sullivan. Donc, David, tu t'en vas. En les partant, enfin, parce qu'elles rigolent de toi. Oh, alors, ignorez-les. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Et pendant ce temps, Robert, toi, t'es dans ton coin, tout seul, en train de manger le buffet, tranquillement, boire ta coupe de champagne, regarder un peu autour de toi. Tu te demandes un petit peu, enfin, t'es content d'être là, mais en même temps, tu te dis, enfin, je suis au milieu, tout le monde me... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, je suis regardé sans être regardé, quoi. Il y a quelqu'un qui va arriver à ton dos et qui va dire, alors, monsieur Grant... Ah, je sais déjà qui c'est. Et il s'appelle, tu le reconnais,
quelqu'un de très bien habillé, cheveux blonds. Bonjour Howard. Et en effet, c'est monsieur Howard Penberg qui arrive face à toi, clairement l'investisseur, un des investisseurs les plus reconnus, un multimillionnaire, voire milliardaire, qui a notamment découvert et fait une des plus grandes découvertes en Égypte de tombeaux de l'histoire qui n'a jamais été faite. Et qui fait « Alors, monsieur Grant, comment ça va aujourd'hui ?» Et il est avec plein de femmes autour de lui. Ah, vous êtes bien la seule personne que j'avais pas envie de voir aujourd'hui. Dit, mais alors, hein, oh, mais, pourtant, tout le monde est content de me voir ici. Ah oui, j'en doute pas. Par contre, j'ai l'impression que vous faites un petit peu snobé ici. Je me demande de qui c'est la faute. Bon, qui la faute à vous. Oui, bien sûr. Et une fille qui est juste à côté qui fait vous n'avez jamais rien trouvé de votre vie, monsieur. Regardez, cet homme est beaucoup plus. C'est ce qu'il fait. Il est... voilà, tout simplement. Elle ne sait même pas quoi dire, en fait. Elle essaie de lui faire plaisir et il fait oui. Et là, il se dit oui. Ça vous plaît d'être suivi par des gens qui n'ont pas de cerveau, en plus. Elle dit elle ne sait pas quoi dire. Voilà. Gouja, quel gouja. Voilà. Et Pember dit non, taisez-vous. Vous venez, on ose vous inviter ici. Je ne sais pas comment, par quel. Peut-être parce que vous êtes avec ce David, ce nouveau millionnaire qui vient d'arriver, mais peut-être par respect juste pour lui qu'on vous invite. Et tout le monde se retourne en fait, et il y a, comment elle s'appelle, Marianne, qui est tout simplement celle qui a ouvert la galerie là aujourd'hui, qui arrive à côté de Penberg et qui fait « Ah, alors monsieur Penberg, je vois que vous êtes en charmante compagnie avec monsieur Grant, comment allez, est-ce que ça va vous avez déjà travaillé ensemble peut-être ?» On peut dire ça comme ça. Et David, tu arrives à ce moment-là. Donc tu entends ce qui se passe. Et dit ah oui, vous avez travaillé. Et Grant dit oui, on a fait quelques expéditions avant que commence à devenir célèbre. Mais quand c'est simple, hein, l'expédition au moment où je l'ai lâché, j'ai fait une autre expédition tout seul et j'ai explosé. J'ai trouvé là. Arrête de te foutre de ma gueule. Ah, Robert, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore sortir cette histoire. C'est très bien que c'est pas une histoire. Et Marianne dit ah, je crois qu'il y a de la tension. En plus j'ai même pas envie de voir ta tête. Je pars. Tu t'en vas. Je l'accompagne du coup. Je le suis. Et t'entends Marianne du coup parler avec Penberg et dire qu'est-ce qui s'est passé. Penberg il raconte des histoires disant que c'est lui qui a trouvé la tombée. alors que c'est moi qui ai tout découvert. Je vais juste me tourner vers lui. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Vers Penberg. Ouais. Il dit bah oui, c'est moi le chef d'expédition, c'est moi qui ai marqué qui a fait le chèque et il n'est dans aucune liste des gens qui font partie de l'expédition. Il n'a jamais été fait partie de l'expédition. Non mais c'est facile du coup, vu que c'est vous qui rémunérez les gens et qui pouvez effacer ou pas les gens. Ah mais est-ce que je suis quelqu'un d'honnête moi? Oui tout à fait. Contrairement à lui qui ment. Bon, allez-y, bonne soirée. Et je vais le rejoindre du coup. Oh j'ai un brother. Du coup, voilà, Marianne rigole avec Penberg très rapidement. Poser des questions un peu suspicieuses et quand tu viens dire ça, et Penberg dit un nouveau millionnaire déjà jaloux de moi. Insupportable. Du coup, voilà. Et vous voyez qu'il y a... Pierre est en train de discuter avec une jeune femme. Pierre Lamarre, votre collègue journaliste, enfin journaliste photographe de l'expédition, est en train de discuter avec une jeune femme. Très belle, très bien habillée. Et vous voyez qu'en fait, il essaie de la draguer un peu. Vous passez à côté et vous entendez Pierre qui dit « Ah, mais c'est l'expédition, oui, c'est un petit peu dangereux. Il faut avouer, j'ai déjà photographié beaucoup de choses, j'ai déjà travaillé avec beaucoup de gens. À mon âge, c'est un exploit, on va dire. » Et la femme dit « Ah oui, très impressionnant, monsieur. Et vous faites quoi exactement dans cette expédition, cette nouvelle expédition et tout ça Et du coup, il explique, en fait, il donne des détails sur votre expédition. Juste à la femme. On va peut-être se calmer, là. Est-ce que c'est vraiment gênant en soi? Est-ce qu'il donne des infos con? Oui. Ouais, ok, d'accord. Bon, on va aller l'arrêter. Enfin, bon, Pierre, tu donnes peut-être un peu trop de détails. Et en fait, il dit, vous la voyez?
Elle parle, elle vous tend directement la main. Très belle jeune fille, vraiment très belle, qui s'appelle Cécile Durand. Elle vous tend la main. Bonjour messieurs, je suis en fait professeur de lettres et en Égypte ancienne. Et en fait, je suis une des personnes assez qualifiées dans le domaine pour pouvoir tout simplement traduire et ce genre de choses. Eh bien, enchanté. Bah, j'étais tout simplement curieux, j'avoue, un peu curiosité mal placée, pour demander s'il avait des informations pour que je puisse m'exercer un petit peu, voir si des nouvelles fraises, des choses que vous avez peut-être découvertes pour que je puisse les déchiffrer ou ce genre de choses. Et il vient directement vers toi, David. Elle vient pour te serrer la main. Et je serais très intéressé également de faire partie de votre expédition, tout simplement, parce que je ne sais pas si, je ne pense pas que vous ayez de personnes dans mon domaine pour vous aider. Non, mais vous savez, on a déjà un traducteur. On va faire le tout premier jet de dés de cette soirée. Alors, on va faire en attendant qu'on sorte les dés. J'ai mon téléphone qui est sur le téléphone carrément. Je vais expliquer rapidement, comme d'habitude. Très bref, on va pas s'embêter. C'est un jet de dés sur 100. Plus on s'approche de 1, plus l'action est réussie. Plus on s'approche de 100, plus l'action est un échec, tout simplement. Donc, David, combien tu as fait ? 80. 80. Elle te le garde et fait. Non, en fait, je ne suis pas que professeur. C'est-à-dire que j'ai accès principal au registre des expéditions actuelles. Et j'ai bien vu que vous n'aviez pas de personne, c'est pour ça que je suis venu ici, j'ai réussi à m'incruster, je vous l'avoue, un petit peu m'incruster, en utilisant mon charme, je vous l'avoue, ça peut vous être utile aussi, dans cette expédition, mais je vous avoue que je suis venu vers vous parce que vous êtes jeune, monsieur David, vous ne connaissez pas forcément beaucoup d'expérience, jeune dans le domaine, on va dire. Et j'aimerais appuyer un petit peu, je crois en vous, en également monsieur Robert, qui a, c'est bizarre, certains registres que j'ai lus. Donc j'avoue que je crois en certaines choses sur monsieur Robert et j'aimerais bien l'aider dans ces expéditions. Vous me plaisez. Bon, écoutez. Je me pense garant pour elle. Je ne coûte pas cher. Combien ? Ça tombe bien. Il dit un prix vraiment très bas, pour le coup. Ok, bon. 200 pennies. On peut en reparler à la fin de cette soirée, si vous voulez. Ah, il n'y a pas de soucis. Ne vous en faites pas, je serai pas loin. S'il y a besoin, je serai... Très bien. Vous saurez me trouver. On garde ça en tête, on en discute un peu avec mon associé. Alors, en attendant, Pierre, viens là. Pierre vient. Il dit oui. Mais oui, ça oui. Va pas te raconter des trucs comme ça. Mais en fait, elle est très. Elle m'a un peu bien embobiné parce qu'elle m'a dit que vous l'aviez déjà accepté dans l'expédition. Donc en fait, c'est pour ça que j'en parlais. Et je dois avouer que bon, elle est quand même âge et tout ça. Et j'ai eu la. C'est sorti très rapidement. Oui, non, mais méfiez-vous quand même. Croyez pas les premières personnes venues. Mais oui, non, mais j'avoue que en fait, c'est la seule personne qui est venue me parler comme ça. Donc, je suis désolé, mais je n'ai même pas réfléchi au fait qu'elle pouvait me mentir. C'est pas grave, les erreurs, ça arrive, mais juste fais gaffe pour les prochaines fois. Quoi. Non, mais je retiens. Mais elle est assez forte, on va dire. Et sinon, t'as trouvé de quoi des choses intéressantes à photographier ? Ah, oui. Des gens riches. Tu peux nous montrer les photos que t'as prises pour l'instant ? Bah comment c'est de l'argentique ? Ah non, bah oui. Ouais, je peux pas. Non, mais elle dit des gens riches et énervants, principalement. Ouais, regardez bien, lui là-bas, là, en Pointe-en-Penberg, lui c'est le plus énervant de tous. Faites attention. Fait... Ah oui, lui. Prenez des photos désavantageuses si vous pouvez. Ouais, oui, c'est ce que je vais faire. Pardon. Si jamais vous voyez qu'il se fait pisser dessus par un chien, n'hésitez pas à le prendre en photo. Oh. Et la soirée continue. Puis Pierre vient en urgence, en vous disant, vraiment genre un petit peu discret, il essaie d'être discret et tout ça, mais il est dans l'excitation et il a du mal à le dire vraiment. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Il faut que l'on retourne dans notre expédition. Pourquoi ? Les travailleurs ont trouvé quelque chose. Non. Ils ont trouvé ce qui semble
j'ai une description bien précise. Il te fait la description. Et tu n'as même pas besoin de te dire ce que c'est. C'est l'entrée dans le tombeau. On part maintenant. On part maintenant. Ah, il faut pas oublier l'autre, là. On ne l'apprend ou pas ? Vous continuez à parler. Puis, il y a, comment dire, une sonnette, un truc, tu sais, un coup de fourchette ou un coup de couteau sur une coupe de champagne. Tout le monde s'arrête de parler et tout le monde regarde. Et en fait, c'est Penberg qui lève son verre et qui dit « Félicitations ! La nouvelle expédition de Monsieur Grant a apparemment trouvé quelque chose. Je tiens à dire que c'est assez impressionnant puisque on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais c'est pas loin de mon site à moi. Peut-être que c'est moi qui ai trouvé cette chose. Mais en tout cas, nous allons nous renseigner. Ne vous en faites pas. Cette personne ne va pas nous rouler dans la farine peut-être une deuxième fois. On ne sait jamais avec cette personne. Il faut faire très attention. Mais je vous mets tous au courant. T'as douille, c'est ça ? Quelque chose, c'est ça. Et Marianne dit félicitations. Elle t'appelait. Tout le monde vous applaudit. Un petit peu en mode ah oui, bravo, bravo, monsieur Grant. On va arrêter avec vos regards hypocrites. Nous, on y va. Vous partez. Et du coup, il y a Cécile à l'entrée. Et qui vous dit qui ? C'est Cécile Durand, celle qui voulait être engagée. Ah, mais oui, mais je l'avais oubliée, elle. Mais on la prend ou pas du tout ? Non, mais on part dans la précipitation et en la voyant au passage, je lui dis venez, suivez-nous. Elle dit oui, oui, oui. Elle dit mais. Et elle vous regarde, elle fait pourquoi vous l'avez dit ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il doit y avoir des gens qui ont parlé au cœur de l'expédition. Il y a Pierre qui arrive en courant. En se tenant le chapeau et avec ses appareils partout à moitié cassés parce qu'il les a fait tomber et tout sur le chemin et il arrive, faut y aller en fait. Oh, on y va, mais Pierre, calmez-vous. Est-ce que vous l'avez dit à quelqu'un d'autre ? Il dit, évidemment que non, je ne l'ai pas dit. Et comment vous l'avez appris ? Moi, on m'a envoyé, j'ai reçu un message d'urgence directement, mais c'était un message, c'était privé. C'est moi qui l'ai lu, je l'ai. Oui, c'est sûrement ça. Il y a sûrement quelqu'un qui a parlé au cœur de l'expédition. Il y a un de nos employés qui travaille pour l'autre, là. Et Pierre dit, c'est très possible que quelqu'un sur place, un ouvrier, ait craché le morceau. Tiens, en parlant de ça, Cécile, c'est ça ? Oui. Vous avez bien dit que vous avez les registres des expéditions, non ? Les registres des gens qui travaillent dans les expéditions, en général, oui. C'est parfait, ça. On va peut-être avoir encore plus besoin de vous que ce qu'on pensait. Ah, mais il n'y a pas de souci, je peux bien vous tout ce qu'il y a. Et je vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de... Vous prenez un avion. Et votre avion doit s'arrêter en Égypte, tout simplement. Et vous devez faire le reste du trajet en bateau. Mmh. Pour rejoindre votre expédition sur le Nil, tout simplement. Et donc, en fait, c'est un petit peu du genre... Il n'y a pas de bateau privé. Vous n'avez pas une expédition qui coûte... vous n'avez pas des fonds impressionnants, enfin... David est là, mais il va pas mettre des millions d'un coup comme ça. Il sert le budget un petit peu. Enfin voilà quoi. Il veut pas gaspiller de l'argent. Tu préfères des efforts. Hein. On jette pas l'argent par les fenêtres non plus. Prenons le nécessaire et ça suffira. Donc, il y a pas de fenêtre dans le. Vous prenez vos habits. Vous êtes habillé en mode expédition, tout simplement. Expédition normale ou expédition Indiana Jones ? Oui, un peu comme ça. Enfin, ouais. Pour toi, expédition normale, mais lui, c'est toujours dans l'excès. L'extravagance. D'ailleurs, Cécile vous dit, vous n'avez pas changé de tenue, en fait. Non. C'est votre tenue d'expédition. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, ça sent un peu la transpire. Hein. Non, mais je l'avais nettoyé avant, quand même. Pierre, lui, est habillé un petit peu... En fait, il est jeune. C'est comme si, vraiment, il est en short, avec des lunettes, un peu comme... Il est en vacances, quoi. Ouais, c'est un peu vacances. Mais il a toujours fait ça. Vous voyez, à chaque fois. C'est un bateau de tourisme que vous prenez, tout simplement. Enfin, qui fait juste vous utilisez un bateau de... Oui, c'est un bateau normal, quoi. On ne l'a pas privatisé. Exactement. Mais il n'est pas très très grand. Et il y a des gens qui sont sur le quai. Nous allons découvrir l'équipage, les gens qui sont sur le bateau.